Alors le chasseur apparaît hors de la tente, regarde autour de lui et dit « Ah bon, très bien. Alors, où est ce gorille ?» Maintenant que t'as entendu la blague de papa sur le chasseur de gorille, tu fais officiellement partie de la famille. Il n'est pas trop tard pour reculer. Oui, Richard, je t'en prie, renouvelle un peu ton répertoire. Elle est très drôle, cette blague. Et je suis heureux d'être accepté par votre famille. Merci pour ce repas, Émilie. Oui, merci, grand-mère. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez aimé le repas? C'était incroyable, maman. Lors de notre voyage au Mexique, on nous a servi de la caille de Mazatlan. Et j'ai insisté pour que Bridget trouve la recette. Eh bien, elle l'a trouvée. Oui, dit à Bridget que la caille de Mazatlan a fait un triomphe. C'est la sauce tequila cactus qui la rend aussi spéciale. Très spéciale. Vraiment génial. Bien, jeune demoiselle, on se revoit sur le campus. Oui, bien sûr. Lorelai, il s'avère que j'ai une importante réunion du conseil de FRA mardi prochain. Alors on ne pourra pas se retrouver pour s'occuper de la location des places. Pas de retrouvailles pour la location des places, je ne vais pas survivre. Je t'aiderai à traverser ça, Christopher, ma chérie. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester pour un cigare? Un bon cigare cubain, le parfait complément d'une sauce tequila cactus. Papa, on doit vraiment y aller. Elle a raison, mais peut-être que je pourrais emporter un bon cigare. Non, bien essayé. Ma proposition était tentante. Une autre fois pour les cigares. Au revoir, Rory. Au revoir, grand-mère. Au revoir, maman. Au revoir. Je te vois en cours, Rory. Oui. Ah, mon Dieu! J'aurais juré que ta mère m'avait vu planquer la mienne. Comment une caille aussi petite peut-elle avoir un goût aussi épouvantable? Oh, regardez, la sauce a brûlé ma serviette. Ah. On peut les jeter dans les bus. Non. On a déjà essayé, elle l'a remarqué. Le poulet, la kefla aussi? Oui, le chat du voisin l'a trouvé, il l'a traité jusqu'au pastis. On s'est fait griller. Comment on s'en débarrasse alors? On l'emporte avec nous dans la voiture. Et on la balance du pont de Tyler dès qu'on passe dessus. Seulement, il faut s'assurer que chaque morceau est bien dans l'eau. Ouais, au moindre bout de caille de Mazatlan égaré, grand-mère fera draguer la rivière. Il nous faut quelque chose pour les lester. Est-ce que tu tiens vraiment à ta montre?